Grazie a Luca, Rémi e Yann, professore di musica alla scuola della CCPHVA. Mesdames et messieurs, chacun en vos grades et qualités, et bim, comme ça, si vous êtes d'accord, c'est fait, on évite le salut protocolaire un peu long, fastidieux et quelque peu soporifique. Chers organisateurs du festival, chers permanents, chers spectateurs, buonasera a tutti. Nous revoilà, enfin. Enfin réunis, enfin ensemble, enfin comme avant. Enfin, presque comme avant. Nous revoilà comme un boomerang. Et pourtant, c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné parce que l'année dernière, on va pas encore revenir sur ce qui s'est passé, hein, tout le monde s'en souvient, l'année dernière. Et puis, au-delà simplement du souci sanitaire de l'année dernière, pour moi, personnellement, j'ai bien cru que je ne pourrais pas revenir à Villerue cette année. Mais si, rappelez-vous, il y a 2 ans, à l'époque où il n'y avait pas de masque, j'avais dû remplacer comme ça un peu au pied levé le maître de cérémonie. Ce n'était pas prévu. Et puis,
finalement, ma performance avait été si brillante, si intelligente, si drôle, si performante, si charismatique, si parfaite, quoi, enfin moi en un mot, ben, que tout à coup, comme ça, ma carrière s'est envolée. Mon téléphone a surchauffé et tous les festivals ont commencé à me contacter, ils me voulaient tous. Deauville, Cannes, Berlin, Hollywood même. Alors moi j'ai dit non, j'étais un peu gêné. Et puis il y a eu cette cochonnerie de Covid, alors moi je pensais qu'ils m'avaient oublié, puis ils m'ont rappelé. Et j'ai redit non, alors ils ne comprenaient pas. Ils me disaient mais pourquoi ? Why ? Varum ? Hein, vous saisissez un peu comme je maîtrise bien les langues étrangères ? Et je répondais simplement mais perché ? Mais perché quoi ? Perché je suis rital et je le reste, dans mon verbe et dans mon geste. Voilà. Italiano vero. Enfin, vero, italiano de Villeroux. Italiano de Gambo, même. Oui, je suis né à Villeroux. J'y suis même né quasiment en même temps que le festival. On a un an de différence, mais pour celles et ceux qui maîtrisent un peu les tribulations de ce festival, bien qu'il soit créé en 76, on en est tous les deux à notre 44e édition. C'est un peu comme mon grand frère, ou plutôt comme mon frère jumeau qui aurait un an de plus que moi, ou un grand frère qui serait aussi mon frère jumeau, enfin un truc pas très clair, mais en tout cas, cinématographiquement, je dois avouer qu'il a vraiment joué un rôle de grand frère pour moi. En tout cas, c'est lui qui a guidé mes premières expériences cinématographiques. La première fois que je suis venu au Cinoche, c'était ici, pour le Festival du film italien, à l'hôtel de ville de Villeroux. J'avais 4 ans. On était venu regarder en famille, avec papa, maman et ma sœur, la diffusion de l'anniversaire de Thomas. Parce que ma sœur, elle chantait dedans. À 4 ans, comment vous dire ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anniversaire de Thomas, je vais faire simple pour planter le décor. C'est un documentaire fait par des gens de Villeroux, à Villeroux, sur Villeroux, qui traite de l'immigration italienne de 1880 à 1980, en parallèle de l'évolution du système de production ferrifère de la sidérurgie dans le bassin villeruxien. À 4 ans, ça vous marque un enfant. On est loin de la magie de Disney. Et moi qui me faisais une joie de découvrir enfin ce qu'était le cinéma à 4 ans, je dois dire que je n'ai pas regretté. On était assis ici, en bas, à droite, enfin à gauche pour vous, côté jardin quoi, dans les chaises bleues en fer. Il y en a qui se souviennent des chaises bleues en fer ? Confortable, hein, les chaises bleues en fer. Voilà. Il faisait chaud, ça sentait la cigarette. Ah oui, à l'époque, on fumait dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, on y porte des masques, deux salles, deux ambiances. Je ne comprenais rien au film. Et puis ma sœur qui est sa crâneuse parce qu'elle a chanté dans le film, mais pas moi. Et puis ses chaises, inconfortables. Enfin, bref, tout était réuni pour que je déteste profondément le cinéma et surtout ce festival. J'aurais dû le détester. Et pourtant, paradoxalement, allez comprendre pourquoi, je l'ai adoré. Immédiatement, irrémédiablement, immodérément. Alors quand j'ai su lire... Ce qui m'a pris un certain temps, parce que je n'étais pas franchement ce qu'on appelait un bon élève. Quand j'ai su lire, donc, parce que j'ai beau être un Italien vero de Gombo et avoir 4 grands-parents italiens, je ne parle pas un traître mot de la langue. Donc quand j'ai su lire, pour enfin déchiffrer les sous-titres et comprendre à peu près ce qui se passait, je suis revenu au festival. Et là, à 10 ans, c'est le choc. Cinema Paradiso, Tornatore. Premier uppercut cinématographique. Un de ces uppercuts dont on se relève difficilement. Un de ces uppercuts qu'on préférerait, à 10 ans, avoir tout seul dans son salon plutôt que dans une salle de 800 personnes. Vous savez, juste pour éviter le moment gênant à la fin de la séance quand les lumières se rallument et que plus personne ne bouge. Alors officiellement, c'est pour reprendre ses affaires, reprendre ses esprits et puis partir. Mais en vérité, tout le monde sait pourquoi personne ne bouge à la fin de la séance de Cinéma Paradiso. Parce que tout le monde pleure. Cette fausse pudeur. T'as pleuré, toi, pendant le film ? Ben non, j'ai pas pleuré. Pourquoi t'as pleuré ? Non, j'ai pas pleuré, c'est un film. Hein, c'est qu'un... Oui, c'est un film, mais bon, c'est émouvant, quand même.
Évidemment que j'ai pleuré à Cinéma Paradiso. Et j'étais pas le seul. Évidemment qu'encore aujourd'hui, alors que j'ai plus 10 ans, et même sur un petit écran quand il est rediffusé, je repleure devant Cinéma Paradiso à chaque fois. J'ai beau connaître l'histoire, j'ai beau connaître les personnages, j'ai beau maîtriser la narration, la diégèse, et même savoir par cœur la fin, on n'échappe pas à la magnificence des émotions. C'est ça aussi, le cinéma. Submergé par l'envoûtement de ce film, je suis alors parti à la découverte des grands classiques italiens que me proposait chaque année la programmation de ce festival. C'est comme ça que je suis rentré dans les univers de Fellini, Pasolini, Bertolucci, Visconti, Rossellini, Rossi, Zico Mancini, tutti quanti. Et puis à l'adolescence, les goûts s'affirment, les goûts se précisent, et on découvre qu'on peut faire en Italie du cinéma sans avoir un nom qui finit en « i ». Vers 14-15 ans, je découvre Gabriele Salvatores, Mediterraneo. Magnifique. Il connaîtra révélation universelle, avec notamment l'Oscar du meilleur film étranger. Un ou deux ans plus tard, c'est Strada Blues, qui parlait si bien aux adolescents que nous étions et qui rêvions tous à l'époque d'amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Avec cette façon si particulière de savoir filmer justement et délicatement l'échec, la célébrité et la mélancolie. Mes héros à moi s'appelaient alors Alessandro Haber, Giuseppe Tiardena, Monica Bellucci, Claudio Bisio, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinal, Roberto Benigni, en clown déjanté bien avant Sa Vita è Bella, Nanni Moretti et encore bien d'autres évidemment. Un peu plus tard, c'est l'adaptation du célèbre roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, revue, corrigée et réalisée par Ettore Scola, qui me donnera définitivement une appétence immodérée et éternelle pour le théâtre. Il faut bien avouer que la présence d'Ornella Muti dans ce film n'est pas étrangère à cette passion théâtrale quasi soudaine. Encore après, Massimo Troisi, dans son dernier rôle, aux côtés de Philippe Noiret et de la lumineuse Maria Grazia Cucinotta, ouvriront chez moi, avec Il Postino, des espaces de voyage imaginaire insoupçonnés. La musique envoûtante et mélodieuse, que je me surprends encore à fredonner aujourd'hui quelquefois, ces paysages à couper le souffle, ces silences profonds et ces fameuses métaphores définissent à eux seuls toute l'essence de la poésie. Et enfin, bien sûr, les comédies de l'inénarrable Carlo Verdone, ce créateur insatiable et prolixe, capable du meilleur comme du pire, du plus graveleux jusqu'au plus subtil, réalisateur-comédien hybride entre un Jean-Marie Bigard illuminé et un Woody Allen inspiré. Avec un ami cher de l'époque, il deviendra malgré ses antagonismes un personnage central de notre construction de tous jeunes adultes. Et puis, ces bandes annonces, qu'on ne peut voir aussi qu'ici, à Villerue. Ce logo, il n'est pas là ce soir, enfin on le verra tout à l'heure, reconnaissable entre tous, et qui marque depuis si longtemps maintenant le début de chaque séance. Les valseurs de Baru, qu'on peut voir encore aujourd'hui s'enlacer devant un haut fourneau sur fond rouge, évidemment, rouge. Et puis la pub pour Barilla, signée d'ailleurs par Fellini, et qui, à défaut de m'avoir appris l'italien, m'aura au moins appris à faire la cuisine. Piperigate de Barilla, approchez-les de votre oreille, vous entendrez l'eau bouillir. Avec ça, avec un slogan pareil, on ne peut plus rater ses pâtes. Al dente les pâtes, forcément. Al dente. Et c'est comme ça qu'on devient un papate et que mes trois enfants en subissent encore aujourd'hui, quasi quotidiennement, les conséquences. Voilà, ce n'est qu'un minuscule raccourci de ce que le festival en 44 éditions aura permis de faire découvrir à un public curieux et gourmand. Cette brachylogie excessive et par définition non exhaustive retrace ma toute petite expérience cinématographique italienne ici à Villerue. Mais plus de 40 000 personnes, et oui, c'est le nombre que draine en général en moyenne une édition, et cette année encore, malgré la situation compliquée, on ne devrait pas déroger de cette règle ou à très peu de choses près. Ces 40 000 personnes, donc, pourraient toutes, à leur tour, raconter leur propre parcours, leurs propres expériences, leurs propres souvenirs. Ces chefs-d'œuvre, tous ces chefs-d'œuvre qui ont façonné notre imaginaire collectif italien, n'ont bien souvent, pour la plupart d'entre eux, été visibles en France qu'ici, à Villerue.
Voilà comment un jeune gamin du pays haut a alors accès à toute cette culture, cette fantaisie, cette découverte, cette richesse, ce génie, ce kaléidoscope de création bigarrée au panache flamboyant. Ce soir, au-delà des fanfaronneries et des gaudrioles d'introduction, je voudrais solennellement et profondément vous remercier. Merci à vous toutes, merci à vous tous, au public, bien sûr, qui donne à ce festival une couleur, une saveur et une ambiance si particulière. Merci aux organisateurs, aux permanents, aux décideurs, aux partenaires, publics comme privés, aux collaborateurs institutionnels, aux multiples financeurs et bien évidemment aux bénévoles, sans qui tout cet événement culturel ne pourrait exister. Merci pour ces choix, merci pour cette chance, merci pour ces 15 jours de fête qui, depuis 44 ans, illuminent d'un soleil radieux italien nos tristes soirées lorraines d'automne. Donc ce soir, c'est la fête. C'est bien la thématique de cette 44e édition, l'esprit de la fête. Donc c'est parti. Je déclare solennellement ouverte la 44e soirée des Amilcar du Festival du film italien de Villerupt. Pour débuter cette soirée de palmarès, la ville de Villerupt, je vais le garder toute la soirée, hein, j'ai l'air ridicule mais j'assume, c'est pas grave. La ville de Villerupt, qui a participé activement à la naissance et à l'émancipation de ce festival, a choisi comme chaque année d'honorer à travers l'Amilcar de la ville un artiste italien incontournable de la scène cinématographique italienne. L'année dernière, pour la 43e édition de ce trophée avait été attribué à la réalisatrice Cristina Comencini. Cette récompense, faute à l'édition avortée, faute à la pandémie, n'a jamais pu être remise en main propre. Ce sera chose faite dès demain, car figurez-vous, dès demain, à 16h15, ici même, dans cette salle, Cristina Comencini viendra présenter son film Tornare et ce sera enfin l'occasion pour nous de lui remettre sa statuette. Mais pour l'heure, j'invite à me rejoindre sur scène Ores Sacchelli, président du pôle de l'image, pour remettre l'Amilcar de la ville de Villerupt de la 44e édition. Bonsoir à tous. Alors, nous le connaissions avant tout comme scénariste en particulier des films de son ami Carlo Virzi, Paolo Virzi, pas le petit frère. Et puis, nous l'avons rencontré une première fois ici avec son film Challa, qui a remporté un Amilcar. Il est revenu plusieurs fois, soit pour parler des scénarios, soit pour présenter d'autres films. Puis, la dernière fois où il devait venir pour présenter Tutto quello che vuoi, qui lançait la carrière du jeune Carpenzano, voilà que la maladie l'a frappé. Et il était bloqué chez lui. Et bon, il s'est soigné avec une certaine volonté, parce que même dans son film, il dit « Cazzo che muoio, je ne vais pas crever ». Et de fait, il est guéri. Et il a traduit cette maladie en film. Le film, c'est Cosa Sarà, que nous projetons cette année. Et c'est évidemment à Francesco Bruni que nous remettons l'Amilcar de la ville. Et nous en sommes très heureux. C'est un ami du festival, c'est un ami très cher. Et nous sommes très heureux de l'honorer ainsi. Francesco Bruni n'a pas pu être parmi nous ce soir, il a été retenu en Italie, mais il nous a envoyé une petite vidéo que je vous propose de regarder immédiatement.
Ciao a tutti, sono Francesco Bruni e volevo salutare il pubblico di Virru, volevo salutare Antoine Compagnone, Oreste Sacchelli, anche Sandrine Garcia. E so che stasera mi verrà conferito in assenza il vostro premio e sono molto molto orgoglioso di questa cosa, mi dispiace tantissimo non esserci, ma come potete vedere sono nemmeno a Roma, ad Anzio, dove sto girando una serie. Quindi non un film, ci sono anche un po' di impalcature. Niente, vi voglio bene, sono affezionatissimo al festival di Virru, non faccio altro che parlarne a tutti, spero di tornare presto, probabilmente non con questa serie, ma chissà, magari potremo fare una proiezione di qualche puntata, e se no con il mio prossimo film. Vi abbraccio e vi saluto. Bonjour à tous, je suis Francesco Bruni, je voudrais saluer le public de Villeru, Antoine Compagnon, Oreste Sacchelli et Sandrine Garcia. Je sais que ce soir vous allez me donner votre prix en mon absence. J'en suis très fier, je regrette de ne pas être avec vous, mais comme vous pouvez le constater, je ne suis même pas à Rome. Je suis à Anzio, où je tourne une série, pas un film. Il y a quelques échafaudages. Bref, je vous aime. J'ai une grande affection pour le festival de Villeru, j'en parle sans arrêt autour de moi. J'espère venir bientôt, peut-être pas avec cette série, quoi qu'on pourrait envisager d'en projeter quelques épisodes, sinon avec mon prochain film. Je vous serre très fort dans mes bras, au revoir. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Pour comprendre cette citation un peu Tristoun de Paul Nizan, il faudrait la recontextualiser. Mais je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas là pour ça ce soir. D'autant plus que le jury jeune qui va monter me rejoindre dans quelques instants pour décerner le prix qu'il a attribué ne partage absolument pas ce point de vue. Et pour cause. Pour eux, 20 ans, c'est déjà yeuve. Ils sont pour la grande majorité d'entre eux lycéens, issus de classes à option cinéma et ASABAC, de la grande région. Ils sont ouverts, comme le veut leur âge, sur le monde et sur les œuvres qui les entourent. Ils aiment l'art, la culture, le cinéma, évidemment. Big up à cette jeunesse conquérante qui, très concentrée et appliquée dans son rôle de jury, a su faire preuve de rigueur et de sérieux tout en restant au KLM. Et sans se prendre la teutée comme des darons. J'invite à me rejoindre sur scène Véronique Schmitt, conseillère régionale, car ce prix est parrainé par la région Grand Est, ainsi que Alexis et Alexandra du jury jeune. Jury jeune, je précise, qui était composé de Camélia, Louis, Alexis, Loïs, Anita, Alexandra et Charlène. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les organisateurs. Bonjour. Chers bénévoles, chers publics, bonsoir. Alors, s'il y a 20 ans, on est déjà un yeuve, moi j'en ai 21, alors je suis vraiment un yeuve. Bon, c'est pas de souci. Hein. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici ce soir pour remettre ce prix du jury jeune. Je tiens tout d'abord à saluer la présence d'Alexandra Scholz, membre du jury qui est ce soir à mes côtés. Et je tiens aussi à excuser les autres membres jurés n'ayant pas pu être parmi nous ce soir, notamment mes collègues du Conseil régional des jeunes de la région Grand Est en déplacement à Épinal. Nous tenions à remercier tous les organisateurs et bénévoles qui rendent ce festival possible, ainsi que la ville de Villeru et le cinéma Rio pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de notre venue. Je remercie personnellement
Ma chère Véronique Schmitt, conseillère régionale, membre de la commission sport et jeunesse qui me fait l'honneur d'être à mes côtés ce soir, ainsi que Gilles et Marion qui ne sont pas là mais qui nous ont accompagnés durant toute cette aventure. Lors de notre arrivée à Villerue pour cette 44e édition, la plupart des jurés, dont moi, ne connaissions ni les subtilités du genre cinématographique italien, ni même le rôle de jury qui nous incombait. Mais grâce au précieux conseil d'Oreste Sacchelli et son amour pour le cinéma italien, nos doutes se sont rapidement dissipés et lors de la soirée d'ouverture, nous avons pris conscience que malgré sa renommée internationale, ce festival du film reste un événement populaire, accessible à tous, bref, un moment de partage et de convivialité, un moment de fête. Cette année, le jury jeune, composé de 7 lycéens, apprentis ou encore membres du Conseil régional des jeunes du Grand Est, mais aussi du Luxembourg, a fait son choix parmi 8 films en compétition. Les délibérations furent difficiles tant la programmation fut bonne. Nous avons donc opté pour la force et l'espoir véhiculés par un film en particulier. C'est pourquoi, sans plus attendre, nous sommes très fiers de remettre notre Amilcar du jury jeune au film Atlas et son réalisateur Niccolò Castelli. Niccolò Castelli, pareil, a eu un empêchement pour la cérémonie, donc on lui remettra le prix. Mais avant de descendre, on va l'écouter ensemble. Il nous a laissé un petit message aussi qu'on va projeter et on fera la photo officielle ensuite. Avec plaisir. A tutti, io sono Niccolò Castelli, sono il regista di Atlas. Siamo a Lugano, in Svizzera, nella Svizzera italiana. E come vedete non posso essere con voi a Wildrupt questa sera. Mi dispiace molto perché avrei voluto essere con voi in questa serata in un posto vicino dove è nato in parte il film, visto che è stato scritto in parte a Bruxelles in Belgio, è stato post prodotto in Belgio, quindi sono molto vicino a voi anche con questo film. E vorrei ringraziare prima di tutto il direttore del festival, tutto il comitato di selezione che l'ha selezionato, e poi in particolar modo la giuria dei giovani, i giovani di Opzione Cinema, studenti, che hanno voluto premiare questo film. C'è un film che essaie di donner un peu d'espoir a se retrouver, a retourner à monter dans la montagne, on a tourné dans ces montagnes là aussi, pour, après une période difficile, difficile pour communiquer, pour partager des émotions. Et comme vous savez, là on est revenu au cinéma. On a recommencé à partager des émotions dans le cinéma et c'est un plaisir de savoir qu'Atlas a été projeté et a été partagé parmi vous pendant ces périodes, après tout le période de Covid. È veramente un grandissimo piacere che condivido con tutta la crew e il cast del film, aussi ici dalla petite Suisse italophone, Suisse italienne, mais aussi avec tout le reste de la crew qui est partout dans l'Europe. Et donc je vous remercie et j'espère de faire un nouveau film très vite pour vous rendre visite avec un nouveau film et pour connaître votre communauté italophone à Villerupt. Grazie ancora et scusate la mia assenza, ma abbiamo appena avuto un bambino piccolo e devo rimanere in famiglia. Buona serata e grazie. Sembra di aver perso tutto.
sei libero, papà. On entend souvent dire d'elle qu'elle n'est pas tendre avec les œuvres. Elle a souvent mauvaise presse et dans sa définition collective, on lui colle souvent une connotation destructrice. Son œil aigu et exigeant ne laisse effectivement souvent rien passer. Elle est quelquefois impitoyable et les créateurs la redoutent, la craignent autant qu'ils l'attendent. Car contrairement à l'idée qu'on s'en fait trop régulièrement, la critique est loin d'être toujours négative. Elle peut être, bien sûr, constructive et peut-être, à bien des égards, heureusement, laudative. Elle est pour le public un indicateur inestimable, comme un phare dans cet océan de création, et pour les artistes eux-mêmes, un juge indépendant et sans appel, comme une sorte d'arbitre ou de jauge. Vous l'aurez compris, l'Amilcar qui va suivre est celui décerné par le jury de la critique. Ce jury se composait cette année de Aureliano Tone, en présidence, Fabrice Montebello et François Rieux. Ce prix est parrainé par le conseil départemental de Moselle. Et j'invite à me rejoindre sur scène Fabrice Montebello pour remettre le prix de la critique. Bonsoir à tous. Merci au Festival de Villerue et merci à Anthony et à son équipe de nous avoir donné la possibilité de faire cette expérience particulière que font n'importe quel spectateur, hein, qui consiste à évaluer la qualité des films. Nous étions confrontés à 6 films et le choix n'était pas facile. Dans ces 6 films, il y avait 4 très beaux portraits de femmes, de femmes combattantes, mais dans la dimension positive, bienveillante et non pas guerrière. Et puis il y avait aussi une attention portée aux préoccupations contemporaines pour la Terre, les mystères de la nature. Nous avons décidé de décerner le prix de la critique à un film qui nous a particulièrement émus, pas seulement comme amoureux de cinéma, mais comme être humain. Il s'agit du film « A Chiara » de Jonas Carpignano. Nous avons aussi souhaité décerner une mention spéciale à Anima Bella de Dario Albertini, qui est aussi un autre portrait de jeune femme. Pour ce qui est de A Chiara, nous avons tenu à souligner le courage et la justesse avec laquelle le réalisateur porte à l'écran la 'Ndrangheta calabraise, moins clinquante que ses rivales siciliennes et napolitaines, mais peut-être plus difficile à combattre du fait d'une organisation fondée sur les liens du sang. La dimension documentaire très ancrée dans son époque et son territoire cohabite avec un beau sens de la dramaturgie, comme en témoignent plusieurs scènes admirables, faisant jaillir la tension avec une remarquable économie de moyens. Le personnage qui donne son titre au film, Chiara, est la cadette d'une fratrie de 3. Cette sœur du milieu fait office pour le spectateur de guide, l'accompagnant dans les ténèbres de l'illégalité.
Comment ne pas voir dans la clarté qui irradie de la jeune fille un éloge des puissances du cinéma ? Pour retrouver le prix, j'appelle Grecia Rotollo, comédienne du film. Ringrazio il direttore del festival per avermi invitato e ringrazio anche la giuria per avermi premiato. È un onore per noi ricevere un altro premio e vi ringrazio anche a nome di Jonas che non è qui ma è come se fosse qui con noi. Grazie. No. Merci beaucoup, je remercie les organisateurs du festival et je suis très fier de recevoir ce prix. Que je partage évidemment avec Jonas, qui n'est pas ici, mais c'est comme s'il était ici. L'Amilcar qui va suivre reste dans le domaine des initiés. Le jury qui l'a attribué se compose là encore uniquement de professionnels du cinéma et d'un domaine bien particulier du cinéma puisqu'il s'agit des salles obscures. Car oui, heureusement, il existe encore des salles obscures, des salles indépendantes, collectives, associatives, communales, intercommunales, des cinémas qui résistent au quotidien aux mastodontes des multiplexes et qui luttent jour après jour contre l'uniformisation culturelle et cinématographique. Ils gèrent, ils cherchent, ils trouvent. Et tentent au quotidien de proposer une vision libre, une vision authentique qui s'accompagne d'actes forts et engagés. Un cinéma exigeant, un cinéma accessible, et non, c'est pas incompatible. Un cinéma beau, intelligent et populaire. Un cinéma comme on l'aime ici, à Villerue et sur le territoire de la CCPHVA. Le jury des exploitants était composé cette année de Denis Blum, Hervé Cassin, Isabelle Oerter et Philippe Père, et était parrainé, comme chaque année, par la communauté de communes du PIO Val d'Alzette et par le magazine Box Office Pro. J'invite à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix du jury des exploitants, Carmelo Lopristi, vice-président de la comité de communes du PIO Val d'Alzette en charge des questions culturelles, ainsi que Denis Blum, membre du jury. Mmh.
Écoutez, je suis très heureux et honoré de remettre cet Amilcar au nom de la CCPHVA, notre communauté de communes, Pays Haut Val d'Alzette, au nom de son président, au nom de tous les habitants de la communauté de communes, au nom de tous les acteurs culturels aussi que je représente. Un petit clin d'œil pour les musiciens de notre école de musique du territoire, voilà. Et donc, je suis donc très honoré de vous remettre cet Amilcar. C'est à qui ? Ah, il faut que je dise ça ? Ah, c'est vous. Les responsables de salles de cinéma ont été très heureux de se retrouver enfin de nouveau au Festival du film italien de Villerue. Le jury des exploitants tient à remercier l'équipe organisatrice du festival pour son accueil et sa disponibilité, tout particulièrement Antoine Compagnon, délégué général, Sandrine Garcia, son assistante, Charlotte Bénard, assistante d'organisation événementielle, ainsi que les chauffeurs assurant les navettes entre hôtel et salle. Il salue une nouvelle fois l'ambiance chaleureuse du festival et son organisation impeccable. Le jury a visionné 7 films qui ont tous été à des divers degrés de belles surprises, tant par leur sujet que par la qualité de leur réalisation. Le jury exploitant a été captivé par ce film dont l'écriture, la réalisation et le jeu des acteurs ne laissent aucun temps mort. Il a noté la performance des acteurs, professionnels ou non, la différence entre les uns et les autres étant difficile à établir. Sur un sujet déjà vu au cinéma, le réalisateur a su apporter un traitement original. Ce huis clos, situé dans un seul lieu, une prison, exprime parfaitement l'enfermement physique et mental dans lequel évoluent les différents protagonistes, détenus et gardiens. La rivalité des gardiens entre eux, ainsi que celle des détenus entre eux, est mise en valeur par le jeu exceptionnel des acteurs. Enfin, le réalisateur fait magnifiquement ressentir aux spectateurs l'humanité pouvant exister entre deux groupes d'hommes a priori très différents et opposés. L'Amilcar des exploitants est donc attribué à Aria Ferma de Leonardo Di Costanzo. Le jury exploitant tient aussi à faire mention du film Piccolo Corpo de Laura Samani pour la qualité de son sujet, émouvant et sensible, la maternité. Pour remettre le prix, pour recevoir le prix, j'appelle Pietro Giuliano, comédien du film. Ci tenevo a ringraziare tutto il pubblico che è presente in questa sala, e agli organizzatori e le persone che rendono possibile fare cose del genere, perché sono molto importanti per il cinema. Je remercie le public présent dans cette salle ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé pour que soit possible ce type d'organisation qui est très importante pour le cinéma. E poi volevo salutarvi tutti da parte di tutto il set e il cast del film che purtroppo non è potuto venire qui e di Leonardo Di Costanzo principalmente anche. Et puis je dois vous remercier au nom de toute l'équipe qui a interprété ce film ainsi que la troupe technique et naturellement Leonardo Di Costanzo. Thank you.
In un documentario ho sentito che non è vero che tutte le formiche lavorano sempre. Ci sta una parte che non fa niente tutta la giornata. Nous voilà arrivés à l'acmé de notre soirée, le point culminant, le prix du jury officiel. Waouh ! Comme dans les grands festivals, après tout c'est normal parce que Villerue c'est aussi un grand festival. C'est ce prix qui ponctue chaque grande cérémonie et qui permet aux films primés, comme à tous les 15 films sélectionnés par cette catégorie, d'avoir une visibilité plus large, une diffusion plus grande et un public encore plus conquis. Voilà aussi à quoi servent les festivals, et notamment celui de Villerue, à être des passeurs, des catalyseurs, des amplificateurs. Le jury officiel cette année était composé de Claude Berthémès, président du jury, Senzina Perotta, Antonio Maraldi et Philippe Chevassu. Ce prix est parrainé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'invite donc à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix Annie Silvestri, conseillère départementale de Meurthe-et-Moselle, ainsi que Claude Berthémès, président du jury. Bonsoir à toutes et à tous. Franchement, je suis très heureux d'avoir été invité pour le jury cette année. Si pour des raisons purement égoïstes, je dois dire, en fait, ces derniers temps, ces dernières années, j'ai rarement trouvé le temps de me déplacer à Villerue, et pourtant, c'est très proche, le saut du Luxembourg à Villerue. Mais bon, vous voyez, le boulot, le management familial, etc., a beaucoup d'excuses. Donc, lorsque j'ai eu Antoine au téléphone, je n'ai pas hésité de dire, voilà, ça c'est vraiment le moment à sauter dessus, parce que cette invitation va me forcer, en quelque sorte, heureusement forcer, de suivre le festival à nouveau d'une manière plus assidue. Et je dois dire que dès la première journée, je suis tombé à nouveau sous le charme inégalable de ce festival. Donc un grand merci au festival de ce beau cadeau que j'ai eu. Ce n'était pas un cadeau empoisonné. On a été, ça s'était déjà dit, à quatre dans le jury. Je vais quand même préciser, à part les noms qui ont été donnés, leurs fonctions également. Donc, Chensina
Perrotta, qui est réalisatrice née en Lorraine, hein, de parents émigrés calabrais, donc ça matche très bien avec l'esprit de ce festival. Antonio Maraldi, qui dirige le Centro Cinema Città di Cesena, excusez mon italien qui est un peu farfelu. Philippe Chevassu, c'est le gérant de la société de distribution Tamasa, et puis il y avait finalement moi-même. Il y avait 7 films en lice, et ce qui n'a pas facilité du tout notre tâche, c'était que les membres du jury, d'une manière anonyme, ont vivement apprécié les qualités artistiques et les pertinences thématiques de tout, mais je dis vraiment de tous les films en lice. Mais bon, malgré cela, on a donc dû faire le tri de tout cela. Et pour cela, il me semble que quelques verres de vin rouge italien ont pu aider un tout petit peu. Voici donc les fruits des délibérations du jury. Il y a d'abord 2 mentions spéciales. Une mention spéciale pour l'interprétation de l'actrice Maddalena Maria Jekyll dans Anima Bella, et une deuxième mention spéciale pour l'interprétation de l'actrice Carlotta Antonelli dans Takeaway. Et puis, suspense. Le prix Amilcar du jury, j'espère que c'est bien ça qu'on avale. Oui, le prix Amilcar du jury est décerné à... J'essaie maintenant à nouveau l'italien. Il cattivo poeta / le poète et le dictateur, un premier long métrage de fiction réalisé par Gianluca Iodice. Et voici pourquoi le choix du jury s'est porté sur le film. Je cite, donc on a fabriqué un peu le texte ensemble. Le jury a apprécié que le réalisateur ait porté le sujet du début à la fin sans faille. Un premier long métrage abouti, aussi bien pour ce qui est de la mise en scène, de la direction d'acteurs et des décors. Le traitement du sujet nous semble éminemment important, ne serait-ce que du point de vue historique et politique quant à l'émergence du fascisme en Italie. Voilà. Alors, Gianluca Iodice n'a pas pu se libérer lui non plus ce soir. J'appelle donc Massimo Carafoni, consultant d'Italie pour le festival, à venir récupérer le trophée, s'il vous plaît. Je suis seulement l'avatar de Gianluca Iodice. Et l'Amazon pour porter à Rome le prix. Ok? Grazie. Bon, Massimo, c'est pas pour toi. Hein? Massimo, c'est pas pour toi. Hein? Hein? Tu le remets. Hein? Parce qu'on l'appelle et on lui demande si tu l'as remis. Hein? La prochaine fois. Sono tempi dal cielo chiuso. Quel che oggi sembra grandezza non è che prepotenza. Conosci quest'uomo? D'Annunzio è come dente guasto. O lo si ricopre d'oro, o lo si estirpa. So benissimo di essere spiato, controllato. Ma qui era informazioni per noi.
niente deve essere tralasciato, neanche le storielle piccanti. Raccontali che una volta D'Annunzio si è portato a casa una fruttivendola della zona. Le ha chiesto di stendersi nudo sul pianoforte. Si è messo a quattro zampe e ha cominciato a inseguire la fruttivendola. Après l'acmé, l'apodose, du point de vue des organisateurs du festival, ou pour les artistes eux-mêmes d'ailleurs, je crois qu'on arrive avec ce dernier prix à un moment crucial, au moment crucial. Un des prix, si ce n'est le prix le plus important à leurs yeux, aux organisateurs comme aux artistes, l'Amilcar du public. Cette reconnaissance, bien plus encore que celle de ses pairs ou d'une caste professionnelle aussi experte soit-elle, et sans doute, et sans démagogie aucune, l'une des plus importantes à recevoir pour un artiste. Car que deviendrait toute cette production, aussi brillante et pléthorique qu'elle puisse être, si elle ne rencontrait pas son public ? Ces films, tous ces 76 films qui ont ponctué ces 15 jours, ont été faits pour lui, pour le public, pour lui plaire, le charmer, l'émouvoir, pour le brûler ou le glacer, pour l'enflammer ou le submerger, pour bouleverser ses sens, pour bousculer son conformisme. Le cinéma, ça sert à ça. Nous rassurer autant que nous déranger. Les artistes s'en amusent avec un sérieux déconcertant, car ils ont compris que dans ce superficiel se cachait sans doute l'essentiel. L'Amilcar du public, on ne va pas faire monter tout le public sur la scène comme on fait monter les jurés, ça va être compliqué. Donc, pour ce prix, j'appelle simplement et modestement Oreste Sakelli et Antoine Compagnon pour remettre le prix du public. Failli à ma mission de maître de cérémonie en précisant que ce prix est parrainé par la région Grand Est. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Oui. Buonasera. Buonasera. Alors, 15 films étaient en compétition en public. On va juste donner le top 5. Il y a eu grandement beaucoup de gens qui ont voté. Je crois qu'il y avait 3500 personnes qui ont voté pour ce prix du public. Alors, en numéro 5, Anima Bella de Dario Albertini. En numéro 4, Aria Ferma de notre ami Leonardo Di Costanzo. Numéro 3, Le poète et le dictateur de Gianluca Iodice. En numéro 2, grosse surprise, Il Legionario de Help Papou. Et en numéro 1, notre ami Marilyn agli occhi neri de notre ami Godano. J'appelle sur scène Simone et Godan, aux réalisateurs du film. C'est la troisième fois que Simone fait le déplacement, enfin la quatrième, puisque cette année il est venu deux fois pour présenter le film et pour recevoir son prix. Grazie.
Buonasera a tutti. Bonsoir tout le monde. Oh, olé. C'est redondant à la fin quand même. Che bello. Molto bello essere di nuovo qui a distanza di sei giorni. Alors, je suis content d'être de nouveau là après trois jours. Et à distanza di due e altri due anni, è la quarta volta che vengo a Villerue. Avec les années passées, c'est la quatrième fois que je fais le déplacement à Villerue. Et dico sempre la stessa cosa, ma la voglio ridire. Et je dis toujours la même chose, mais je veux le redire une fois encore. Che è incredibile vedere per il Festival del Cinema Italiano una sala. Io ho visto sempre una sala così piena ed è veramente merito di Oreste, di Antoine, di tutti, ma anche di voi che venite qua a darci fiducia. Quindi vi ringrazio a nome forse di tutti i realizzatori dei film che sono passati per qua. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est la quatrième fois que je viens et à chaque fois, je vois, j'ai devant moi une salle aussi comble et c'est vraiment, ça nous donne vraiment de l'espoir et je dois pour cela vous remercier au nom aussi de tous les réalisateurs. In un piccolo paese vicino Roma, tutto questo sarebbe impossibile. Dans un petit village près de Rome, tout cela serait impossible. Per il Festival du cinéma de France. Pour un festival de cinéma français. O d'Espagne, d'Allemagne et tout. E anzitutto volevo salutare, probabilmente mi stanno vedendo, io ho due piccoli bambini di 4 anni, Leon e Nina, e gli mando un bacio insieme a mia moglie che ringrazio che mi ha concesso di tornare qua a distanza di 6 giorni. Donc je salue de loin mes deux enfants de 4 ans et 1 an, Nina et Leon. Et Leon. Et ma femme, bon, qui m'a permis de refaire le déplacement. Et niente, ringrazio toutes les personnes qui ont fait insieme à me le film, parce qu'un film est un lavoro di squadra, et en particulier Matteo Rover, le producteur, Giulia Steger, Walter, la sceneggiatrice, et Stefano Corsi et Miriam Leone, qui sont la luce de questo film. Et donc, bien sûr, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce film. Depuis les producteurs jusqu'aux scénaristes et en passant évidemment par les comédiens, Stefano Accorsi et Miriam Leone. Ringrazio voi perché veramente è un piacere tornare in questo luogo un po' sperduto e poi trovare tutto questo, quindi è la quarta volta. Avevo giovedì scorso avevo detto di essere tornato tra due anni e lo ripeto anche stasera. Donc c'est toujours surprenant d'arriver comme ça dans ce lieu un peu perdu. Un peu au bout du monde et puis de trouver tout ça. Alors je redis ce que j'ai déjà dit, à nouveau je serai là dans deux ans. Et in ultimo ringrazio il pubblico perché è il premio indubbiamente più bello. Et évidemment je remercie le public parce que c'est le prix le plus beau. È sempre bello convincere la critica, è sempre bello convincere le giurie robuste, però poi quando ti preme il pubblico, a Roma si dice è una goduria. Cosa hai detto? È una goduria. Ah! Donc c'est toujours bien d'être primé par des jurys, bien sûr, mais lorsqu'on est primé par le public, c'est vraiment une jouissance profonde. Merci. Palato abbia mai assaggiato.
E se lo avessimo veramente? È fighissimo. Ma ti rendi conto di come ti hai messo in piedi? Ce l'abbiamo fatta. E poi hai distrutto tutto. Con tutti i problemi che ho, se ci aggiungo anche te. Si compatta contro tutti e facciamo squadra. Io sono tutta sbagliata. Tu vai bene così come sei. L'hai detto tu che io sono un problema. Mi mancava un pezzo. Mi è sempre mancato. Voici déjà arrivé au terme de cette soirée de récompense, la soirée de remise des Amilcar de la 44e édition du Festival du film italien de Villerupt s'achève donc à présent, avec cette année encore un palmarès haut en couleur. Au nom des organisateurs, permettez-moi une dernière fois, dans une dernière logorée verbale, de remercier simplement tous les participants à cette belle aventure, tous les partenaires institutionnels, les parrains publics comme privés, les différents financeurs, je ne vais pas tous les citer, ils seraient beaucoup trop nombreux, mais sachez que sans vous, cette belle fête italienne ne pourrait exister. Merci à vous, merci aux organisateurs, aux administrateurs, aux permanents, aux bénévoles, à cette équipe incroyable de passionnés qui, chaque année, relève le défi de faire toujours mieux. Merci à vous d'être présents aussi chaque année envers et contre tout, envers et contre la situation sanitaire, envers et contre la pandémie, etc., etc. Je n'ai plus qu'un mot à dire, vivement l'année prochaine, qu'on soit vraiment définitivement débarrassé de tout ce qui traîne. Et rendez-vous, j'espère, enfin dans un nouvel écrin pour le 45e édition del Festivalo del Filmo Italiano de Villerupt. Buonasera a tutti, ciao e buon film.